Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est... non, c'est pas l'émission, il est minuit, mais en fait, c'est le chant du coq. Donc, voilà. Et que le Seigneur soit béni, merci pour votre présence. C'est vrai qu'on a commencé ces émissions avec la dernière trompette. Ensuite, c'était il est minuit. Et là, ben, c'est le chant du coq. Voilà, donc à chaque fois, et, je me trompe. Bon, ben, le Seigneur nous appelle tous à sonner le chauffard, à faire retentir la trompette. C'est vrai qu'il est plus que minuit à l'horloge du Seigneur. Mais voilà, ce sont les coqs qui se mettent à chanter afin que les saints se préparent, se réveillent, et parce que le Mashiach revient. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Yeshua, notre Maître et Sauveur. Père, nous te prions. Amen. Voilà, mes amis, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour témoigner hein, de tout ce que le Seigneur fait pour vous. Nous avons reçu hier des frères, un frère qui fait partie de l'équipe technique de TV Lévis m'a envoyé des messages et, que des frères et sœurs nous envoient, notamment un message qui m'a beaucoup touché, beaucoup encouragé, des personnes, des frères et sœurs qui sont du côté de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a un réveil là-bas, dans un lycée. Beaucoup de jeunes sont réveillés. Et alors nous sommes encouragés. Ce courriel m'a beaucoup fortifié. Et ça nous confirme vraiment que le Seigneur est vivant. Et voilà. Donc vous pouvez nous appeler pour nous témoigner un peu de tout ce que le Seigneur fait dans vos vies. Je sais que beaucoup, samedi dernier, beaucoup ont été guéris par le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de coups de fil. On n'a pas pu malheureusement tous, n'est-ce pas, les recevoir parce que, voilà, donc à cause du temps. Mais le Seigneur permettra à ce que vous puissiez, bien sûr, si vous le souhaitez ce soir, permet à ce que vous appelez pour, que vous appeliez pour témoigner. Voilà, que le Seigneur soit bien. Nous allons prendre un passage dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset, on va lire le verset 16. Romains 9, verset 16. Alors, je vais demander à l'équipe technique si on peut nous faire la lecture à chaque fois. Ça va nous aider. Je ne sais pas si c'est possible du côté du son. Bon, je vais le lire en attendant que les frères se préparent. Et ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité dans le but de démontrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes contre Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse de terre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Mais que dire si Dieu, en voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la destruction et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire? Et il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon ce qu'il dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et ma bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Voilà, donc vous voyez, le verset 16 surtout qui nous intéresse. Et Dieu, n'est-ce pas, dans ce passage, dit que l'appel qu'il adresse à ses enfants ne dépend pas de ceux qui le veulent, ni de ceux qui courent, mais de Dieu. Donc, mes amis, ce passage-là parle beaucoup. En fait, pour comprendre ce passage, nous allons aller voir dans 2 Samuel chapitre 18. On va
lire un peu cette histoire, étudier un peu cette histoire, et vous allez comprendre pourquoi Paul a écrit ce passage, pourquoi il a reçu. Dans 2 Samuel chapitre 18, du verset 19. Alors ici, il est question de la mort du fils de David, c'est-à-dire Absalom. Et il fallait justement envoyer un messager auprès du roi David pour lui apporter cette nouvelle. Et vous allez voir que deux messagers se sont présentés. Il y en a un qui va courir plus vite que l'autre. Et il se trouve que celui qui courait plus vite que l'autre n'était pas du tout appelé, n'avait pas du tout un message. Mais pourtant, il a couru aussi pour annoncer la nouvelle. Donc, on va lire le verset 19. Et Achimat, fils de Sadoc, dit : Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle. Que Yahweh lui a rendu justice en jugeant ses ennemis. Joab lui répondit : Tu ne seras pas aujourd'hui porteur de bonnes nouvelles. Tu le seras un autre jour, car aujourd'hui, tu ne porterais pas de bonnes nouvelles, puisque le fils du roi est mort. Joab dit à Cushi : Va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab, puis il se mit à courir. Achimat, fils de Tsadok, dit encore à Joab : Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Joab lui dit : Pourquoi veux-tu courir, mon fils, puisque tu n'as pas de bonnes nouvelles à apporter ? Parce que tu n'as pas de bonnes nouvelles à porter. À apporter. Tu n'es pas porteur d'un message. Mais pourquoi tu veux courir ? Tu n'as pas reçu de message. Pourquoi courir ? Pourquoi vouloir faire le ministère, faire l'œuvre, alors que tu n'as pas reçu de message ? Et regardez la réaction de Achimat. On continue ? Quoi qu'il arrive. Le verset 23. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimat. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Mais courir avec quoi ? Courir avec quel message ? Courir avec quelle onction ? Avec quelle vision ? On continue ? Et Joab lui dit : Cours. Achimat courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. Donc Achimat, qui, n'est-ce pas, va se lancer dans le ministère de son propre chef, de sa propre volonté, sans message, sans mandat, sans équipement, il se lance dans la course. Et la parole nous dit, n'est-ce pas, Joab, bien sûr, fatigué par la détermination de ce monsieur, d'Achimat, de son insistance, tout ça. Il lui dit, bah, écoute, va. Mais il ne lui donne pas le message qu'il devait apporter. Parce que rappelez-vous bien, à l'époque, c'était ces coureurs qui apportaient des nouvelles. Et ils devaient avoir avec eux des messages à apporter, soit des lettres, soit des rouleaux, tout ça. Mais il se trouve que ici nous avons deux coureurs. Nous avons le premier Cushi, qui veut dire éthiopien, donc africain. Et nous avons un autre, Achimat, qui était juif. Et il va insister auprès de Joab, qui était un grand général d'armée, pour qu'il apporte des nouvelles à David. Mais il n'avait pas de message, c'est ça le problème. Pas de message, pas de mandat. Alors, Joab envoie Cushi avec un message clair. Cushi va courir. Et Achimat met la pression sur Joab pour qu'il apporte aussi des nouvelles. Et regardez, la parole nous dit, effectivement, Joab lui dit, bah, écoute, cours. Et on nous dit que Achimat courut par le chemin de la plaine. Et il va devancer Cushi. Donc, Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et il va devancer Cushi. Le verset 24. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme qui courait tout seul. Alors la sentinelle cria et avertit le roi. Et le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Et cet homme marchait incessamment et approchait. Puis la sentinelle vit un autre homme qui courait. Et elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit,
il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme bon, il vient quand il y a de bonnes nouvelles. Alors Achimat cria et il dit au roi, tout va bien. Et il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, béni soit Yahweh, ton Dieu, car qui a livré les hommes qui levaient leurs mains contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune homme Absalom se porte-t-il bien? Achimat lui répondit, j'ai vu s'élever un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur, mais je ne sais pas exactement ce que c'était. Ah! Maintenant, tu arrives devant les gens qui ont faim. Tu arrives devant les gens qui ont soif. On te dit, c'est quoi la nouvelle? Et là, tu commences à balbutier, tu commences à tourner en rond et il n'y a pas de message. Le roi voulait savoir si Absalom, son fils, était vivant. C'était ça qui l'intéressait. Lui, il arrive à Achimat, il va commencer à apporter un autre message en disant que le roi... soit béni et que le roi mon Seigneur apprenne ces bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Yahweh t'a rendu justice en jugeant tous ceux qui se levaient contre toi. Le roi dit, mais où est le message? C'est quoi le message? C'est ça le problème. La suite. Et le roi lui dit, mets-toi là de côté. Et Achimat se tint de côté. Et le roi lui dit, mets-toi là de côté. Déclassé. Complètement écarté du chemin. Mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de message. Frères et sœurs, il y a des gens qui se précipitent dans l'œuvre. Vous voulez vous précipiter pour prêcher, aller à mission, servir le Seigneur. Ceux qui vont vous mettre de côté, ce sont les gens vers qui vous vous tournez. Parce que quand ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas des porteurs d'un message, ce sont eux qui vont vous juger. On continue. Aussitôt arriva Cushi. Et il dit, que le roi, mon Seigneur, apprenne ces bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Yahweh t'a rendu justice en jugeant tous ceux qui s'élevaient contre toi. Et le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom se porte-t-il bien? Et Cushi lui répondit, que les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal soient comme ce jeune homme. Alors le roi, saisi d'émotion, monta à la chambre haute de la porte et alla pleurer. Il disait ainsi en marchant, « mon fils Absalom, plaise à Dieu que je sois moi-même mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. » Voilà, mes amis. Vous voyez? Donc, vous avez ici deux messagers. Le premier a été envoyé, Cushi, avec un message clair. Le message que le roi David attendait, c'est-à-dire la mort d'Absalom, son fils, qui s'était rebellé contre lui. Mais il y a un autre messager, du nom de Achimat. Achimat, lui, par contre, s'est dit, non, il a mis la pression sur Absalom, sur Joab, qui était celui qui a envoyé les missionnaires, qui a envoyé les coureurs, qui a envoyé, n'est-ce pas, des porteurs de nouvelles, de messages. Achimat met la pression sur Joab pour qu'il l'envoie aussi. Joab lui dit, mais ce n'est pas pour toi, tu n'es pas porteur d'un message. Reste là à côté. Il a mis la pression. Il a dit, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir. Quoi qu'il arrive. Mais tu vas courir avec quoi? Frères et sœurs, laissons Dieu nous envoyer. Laissez Dieu vous envoyer. Laissez Dieu vous mandater. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu vous, n'est-ce pas, donner des ordres. Et nous sommes dans une génération, malheureusement, où beaucoup de chrétiens veulent se lancer, ils veulent se lancer dans le ministère, alors que dans les Écritures, toutes les personnes que Dieu a appelées, à chaque fois que Dieu venait les voir, elles disaient au Seigneur, ces personnes, « Oh, nous ne sommes pas prêtes. Dieu va voir, mes amis, Moïse. » Et Moïse dira, « Je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. » Et à chaque fois, les gens cherchaient des raisons. Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas dit, non, envoie quelqu'un d'autre. Dieu appelle Jérémie. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Mais aujourd'hui, là, nous voyons de plus en plus de gens qui se lancent dans le ministère et ils meurent facilement, rapidement. Ils font des associations complètement charnelles, diaboliques.
Ils se compromettent, ces hommes et ces femmes se compromettent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se lancer dans des choses du Seigneur sans avoir reçu au préalable un mandat clair et net. Et face aux attaques de l'ennemi, ils ne tiennent pas. Face à la séduction, ils ne tiennent pas. Face à la tentation, ils ne tiennent pas. Je veux dire une chose, frère. Un besoin ne justifie pas un appel. Ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'enseignement quelque part que vous devez vous improviser enseignant. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a besoin de guérison quelque part que vous allez commencer à imposer les mains aux gens de façon précipitée. Non. Dieu doit vous mandater. Dieu doit vous parler. Frères et sœurs, on a vu dans Romains chapitre 9, le verset 16, où Paul dit que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On va lire encore ce passage-là. Le frère qui nous lit va nous lire encore ce passage. Voilà. Ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ok. On va prendre un autre passage. Dans 1 Roi. Un roi, mes amis, chapitre 13. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, on voit, mes amis, ici, le roi, Jéroboam, qui va établir des prophètes, établir des prêtres qui n'étaient pas du tout mandatés par le Seigneur, appelés par le Seigneur. Et quelqu'un qui voulait être établi, eh bien, il les établissait. Nous allons d'abord, on va prendre dans un roi, à partir du verset, on va lire un peu cette histoire-là, on va essayer de lire un peu là. À partir du verset 12. 1 Roi 13. Un roi chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, parce que tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Mmh. Or il arriva que, quand Jéroboam, fils de Nébat, qui était encore en Égypte, où il s'était enfui devant le roi Salomon, l'a pris, et c'était en Égypte qu'il habitait, on l'envoya appeler. Ainsi, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent. Ils parlèrent à Roboam en disant, « Ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce pesant joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Il leur répondit, « Allez, et dans 3 jours revenez vers moi. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et ils lui répondirent en disant, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple et que tu leur cèdes, et si tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, ils seront tes serviteurs à toujours. » Mais Roboam laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné et consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient près de lui. Il leur dit, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a parlé en disant, « Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Alors les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui dirent, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui est venu te dire, « Ton père a mis sur nous un pesant joug, mais allège-le nous. » Tu leur parleras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or, mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi je rendrai votre joug encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Or, 3 jours après, Jéroboam, avec tout le peuple, vint vers Roboam, selon que le roi leur avait dit, « Retournez vers moi dans 3 jours. » Mais le roi répondit durement au peuple, laissant le conseil que les anciens lui avaient donné. Il leur parla selon le conseil des jeunes gens, en leur disant, « Mon père a mis sur vous un pesant joug, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Le roi donc n'écouta point
le peuple, car cela était ainsi conduit par Yahweh en vue d'accomplir la parole qu'il avait prononcée par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Voilà, donc le royaume de David ici, après la mort de Salomon, va être divisé en deux. Roboam, fils de Salomon, va récupérer deux tribus. La tribu de Juda et de Benjamin et quelques lévites. Et Jéroboam, serviteur de Salomon, va récupérer les 10 autres tribus. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que Jéroboam, serviteur de Salomon, qui va devenir le roi d'Israël, et Roboam, fils de Salomon, lui va devenir le roi de Juda, dont la capitale était Jérusalem, et Jéroboam règne sur Israël, dont la capitale était la Samarie. Et nous allons voir dans le chapitre 13 maintenant ce que Jéroboam, serviteur de Salomon, va faire. Donc, pour ne pas que les enfants d'Israël qu'il dirigeait aillent prier à Jérusalem, en Juda, où régnait le fils de Salomon, Roboam. Nous sommes dans 1 Roi 13, le verset, à partir du verset 33. Néanmoins, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie, mais il établit de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Il a établi des prêtres parmi tout le peuple, alors que les prêtres devraient être, mes amis, issus de la tribu de Lévi, et particulièrement de la tribu, n'est-ce pas, exclusivement de la famille d'Aaron, descendant d'Aaron. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir des prêtres, n'est-ce pas, qu'il va prendre dans les 10 autres tribus. Il va prendre des prêtres dans la tribu de Issachar, dans la tribu de Nephtali, tout ça, d'Éphraïm, hein, de Manassé, et des gens que Dieu n'avait même pas mandatés, des tribus qui n'étaient pas du tout, mes amis, consacrées au sacerdoce, à la prêtrise. Et regardez la suite. Quiconque le voulait, Jéroboam le consacrait prêtre des hauts lieux. Quiconque le voulait, Jéroboam le consacrait prêtre des hauts lieux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Les gens se font ordonner prophètes, apôtres, docteurs, par d'autres prophètes qui sont impudiques, par des pasteurs qui sont divorcés, remariés, par des sites internet qui font l'apologie de l'impudicité, qui sont, mes amis, qui font du commerce. Et les gens se font ordonner prophètes, apôtres, prédicateurs. Et nous voyons cette ordination, mes amis, de plus en plus ici et là. C'est la confusion généralisée. Quiconque aujourd'hui veut devenir prophète, on l'établit prophète. Quiconque veut devenir apôtre, on l'établit apôtre. Et c'est grave. Des gens qui courent après le ministère, des gens qui courent après la prédication, qui courent après la gestion des églises, l'heure est grave. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, vous l'avez vu vous-même, ça a toujours été comme ça, mais le problème c'est que cette confusion prend de l'ampleur. Et c'est grave. Nous sommes dans une génération, dans une époque où la communication est beaucoup plus est devenue facile et, mes amis, démocratisée. On s'est rapproché, hein, donc on a rapproché les extrémités de la terre. Voilà, c'est à cause, ou grâce à la technologie, au multimédia, à la téléphonie, tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, facilement, les gens peuvent créer leur site internet, commencer à faire le ministère. On voit des jeunes qui n'ont aucune expérience, aucun appel, qui se précipitent quelques mois à peine après leur conversion, ils se précipitent. Des gens qui quittent, des pasteurs qui abandonnent les assemblées, qui sortent des assemblées et qui ne sont même pas encore réformés bien comme il faut et qui vont créer d'autres assemblées, hein, perpétuant ensuite les mêmes erreurs que leur père dans la foi, leur père spirituel, parce que même si ce mot-là n'est pas du tout biblique, hein, père spirituel, et hein, donc c'est comme ça qu'on appelle ces dirigeants, malheureusement, dans ce système religieux. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une croissance, mes amis, une croissance exponentielle de prédicateurs, hein, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, de docteurs, tout ce que vous voulez. Et l'heure est grave. Frères, sœurs, et on voit aujourd'hui des gens qui courent, qui le veulent. Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde, car celui qui appelle, celui le potier,
C'est lui le potier. Le potier, mes amis, une fois qu'il a travaillé, mes amis, son ouvrage, une fois qu'il a fini son vase, tout ça là, il va pouvoir l'utiliser par la suite. Et là, on voit des vases qui ne sont même pas finis, qui ne sont même pas prêts et qui se précipitent, qui se lancent dans le ministère, qui s'exposent. C'est grave, mes amis. Et cette génération veut cela pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une faim, il y a une soif. Et les gens, à cause de la famine spirituelle, sont prêts à boire n'importe quelle eau, n'importe quel, mes amis, breuvage. Et ils se font empoisonner. Vous n'avez pas besoin d'être ordonné prophète, apôtre, docteur pour pouvoir servir le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance des hommes. Non. Paul a été reconnu apôtre 17 ans après. Mais il n'y a pas eu, mes amis, ordination en grande pompe. Non, les choses étaient faites simplement. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il y a tellement la confusion, il y a tellement la famine, il y a tellement de gens qui courent après le ministère, au lieu de développer la relation, leur relation avec le Seigneur, le salut, Seigneur Jésus-Christ. Ils vont faire des alliances, ils vont supplier, des personnes pour qu'elles les invitent à leurs assemblées. Ces hommes et ces femmes vont forcer des relations. Vont, mes amis, aller se vendre eux-mêmes. Ils vont faire la promotion, l'apologie de leur propre ministère. La parole nous dit, dans Proverbe 27, au verset 2, qu'un autre te loue et non tes lèvres, un étranger et non ta bouche. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous garde. Quiconque le voulait, il était établi, prophète, établi, apôtre, établi, prêtre. Voilà. Donc, c'était au bon vouloir des hommes. Ce n'était pas, mes amis, selon la volonté du Seigneur. Et nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu même, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront, non Dieu, mais ils chercheront qui ? Des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Waouh ! Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, de voir. Ils vont chercher, ils vont inviter. Frère, viens prêcher chez nous, viens, tu as la grâce. Mais Dieu a dit quoi ? Dieu t'a dit quoi, prédicateur ? Ils cherchent des connexions. Ils veulent des connexions avec les hommes. Ils veulent des connexions avec des églises pour pouvoir être invités afin de prêcher. L'heure est grave. C'est la génération d'Achimahat, des coureurs sans message, des coureurs sans révélation, sans intimité avec le Seigneur. Achimahat a été mis de côté parce qu'il n'avait pas de message. Et c'est exactement ce qui se passe. Il a dépassé Cushi qui lui avait un message. Et c'est exactement ce qui se passe avec les faux. Ils font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Demain, mercredi, si Dieu permet, il y aura une émission spéciale à 19h30 sur, mes amis, l'Église véritable, sur l'œuvre que Dieu fait. Et vous allez voir que le temple, quand Salomon l'a construit, il n'y avait aucun bruit. Mais l'œuvre se faisait dans le silence, sans bruit. Or, aujourd'hui, les Achimahat font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Beaucoup d'affiches, photos, beaucoup d'annonces, tout ça. Et pour quel résultat ? Pas grand-chose. Voilà la génération d'Achimahat. La confusion. Des sites internet qui pullulent, qui, mes amis, naissent toutes les secondes. Qui sont créés toutes les secondes. Il y a beaucoup de bruit dans la chrétienté actuelle. Mais où sont les messagers qui prêchent la véritable parole, qui prêchent le retour du Seigneur, la sanctification, la crainte de Dieu, la sainteté,
qui prêche, mes amis, l'amour véritable, qui prêche, mes amis, à la repentance, l'enlèvement de l'église, le retour du Mashiach. Les Hashimahs n'ont pas de message. Ils vont parler de la prospérité financière. Ils vont parler de l'homme. Un message qui en fait, c'est un message qui n'est rien d'autre que du levain et qui fait gonfler les hommes. Voilà le message évangélique qui est proclamé aujourd'hui. La Trinité. Un message complètement diabolique, satanique, inspiré par des démons. Seigneur, sauve-nous. Et on va finir avec un passage dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 18. Un passage que j'aime beaucoup aussi. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Ah ! Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Hashimahat s'est recommandé lui-même. Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir. Je sais courir. Je veux te prouver que je peux dépasser Cushi. Seigneur, c'est grave. Ils se recommandent eux-mêmes. Ils se font appeler généraux. En Côte d'Ivoire, il y a un général. Au Cameroun, il y a un général. Ce sont des prédicateurs. Ce ne sont pas des généraux d'armée. Ce sont des généraux, soi-disant, des églises. Mais dans quelle Bible avez-vous vu un prédicateur, n'est-ce pas, se faire appeler général? Voilà la confusion. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui les suivent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération de confusion. Voilà. Ils se recommandent eux-mêmes. Ils font l'apologie de leur ministère. Ils sont sur Facebook, photos sur Facebook. On voit leurs photos, on voit leurs femmes, leurs enfants. Ils ont des beaux sourires avec des dents complètement nettoyées avec, avec Photoshop. Hein? C'est grave. L'heure est grave. Ce sont des mendiants. L'heure est grave. Seigneur, sauve-nous. Ils se recommandent eux-mêmes. Ils aiment les grands titres. Général, mon premier, homme de Dieu. Seigneur, sauve-nous. L'heure est grave. Et c'est celui que Dieu recommande. Et comment Dieu recommande t-il les gens? Qu'est-ce que Dieu fait pour recommander les gens? Eh bien, Dieu accompagne la parole que ces messagers apportent. Cette parole-là apporte la vie. L'évangile, ce n'est pas du blablabla. Dieu parlait et les choses se manifestaient. Il a dit que la lumière apparaît, sa lumière apparut. La parole a toujours été accompagnée des réalisations. Vous avez vu des gens qui sont assis en permanence dans leur canapé, sur leur canapé, du matin au soir, faisant le ministère, ou dans leur voiture. Des ministères de voiture, des ministères de canapé, des ministères de je ne sais pas quoi, là. Il n'y a aucun signe. Ce sont des sites qui sont comme des revues comme Voici, Closer, je ne sais pas quoi. Ça n'apporte pas la vie. Ça suscite la curiosité des gens pour aller mettre leur nez partout au lieu d'apporter un évangile qui apporte les gens, qui pousse les gens à aller vers Dieu. Voilà la génération d'Hashimahat. Ils savent courir, ils courent vite. Ils ont beaucoup de followers, tout ça, ils ont beaucoup de gens qui les suivent, des fans. Mais c'est quoi le message? C'est quoi le message? Nous voulons le message. Les gens veulent le message. Or, il y a un seul message. C'est Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, Fils de Dieu, Père éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Roi des... Oh, alléluia. Nous voulons le message. Donnez-nous le message. De Genèse à Apocalypse, il y a un seul message, c'est Jésus-Christ. Vous voulez craindre Dieu, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous voulez vous sanctifier, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous voulez savoir comment prier, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous voulez être utilisé par Dieu, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre message? Vous allez me dire, oui, mes frères, la croix. Mais la croix, qui était dessus? Jésus-Christ. Les miracles sont opérés en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Donc, tout tourne autour de ce nom-là. Alors, présentez-nous Jésus. Voilà le message. Nous ne voulons pas des histoires. Nous voulons qu'on nous présente celui qui sauve. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être propre, vous savez ce qu'il faut faire? Vous devez vous laver.
Si vous voulez vous sanctifier, vous devez vous coller, vous connecter à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça, il est l'eau de vie, l'eau qui nettoie, l'eau qui purifie. Il est le feu dévorant. Ça dévore toutes les chaînes familiales. Ça dévore les liens familiaux. Ça dévore le péché, la peur. Ça dévore la timidité. Oui, le feu dévorant, Yeshua. On veut le message. Et là où il y a Jésus, il y a des signes. Il y a des signes. On va dire non, on ne court pas après les miracles. Non, on ne court pas après les miracles. Oui, c'est vrai. On ne court pas après les miracles. Les miracles, c'est les miracles qui courent après nous. C'est les miracles qui nous accompagnent. Les messagers sont accompagnés. C'est ça le problème. Voilà. Ça, c'est le mont Carmel. Sur le mont Carmel, le peuple voit. Il y a la génération d'Achimaat qui n'ont pas de message et la génération des Cushi. Ils ont le message, ils sont accompagnés, ils ont des rouleaux. C'est Dieu qui les a mandatés, Dieu les a recommandés. Quand Dieu recommande quelqu'un, même si les gens ne veulent pas l'écouter, ils finiront par l'écouter. Quand Dieu recommande quelqu'un, les élus l'écoutent. Je vous dis, ne vous précipitez plus. Laissez Dieu vous recommander. N'allez pas vous-même vous présenter aux gens pour qu'ils vous invitent. Arrêtez avec vos cartes de visite. On n'en a pas besoin. Laissez Dieu être votre carte de visite. Que Dieu lui-même vous dise, ça, c'est mon enfant. Celle-là, c'est ma fille. Comme quand Dieu a recommandé Paul à Ananias. Ananias a dit quoi? Seigneur, j'ai appris de plusieurs ce que cet homme a fait à tes serviteurs, à tes saints. Dieu dit, non, t'inquiète pas. Va. Car cet homme est un vase que j'ai choisi. C'est ça l'évangile. Laissez Dieu lui-même envoyer des gens pour venir vous chercher. Est-ce que c'est Corneille qui a cherché Pierre? Non. Corneille a prié. Dieu a dit à Corneille, envoie. Il a envoyé un ange, non? L'ange a dit à Corneille, envoie des gens chercher Pierre. Pierre était en train de prier tranquillement chez lui, hein, chez un de ses amis. Et les gens sont arrivés, ils ont dit, Dieu nous a mandatés, on vient te chercher. Laissez les gens venir vous chercher. Vous n'avez pas besoin de courir après les hommes pour le mariage. Vous n'êtes pas moche, femme de Dieu. Hein? La grâce de Dieu sur vous vous rend belle. La sanctification nous rend beau, belle. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas le maquillage. Hein? Ce ne sont pas les faux cheveux. Oh, les brésiliennes, tout ça. C'est pas ça. Vous pouvez mettre un bon parfum si vous êtes dans le péché, même si vous êtes la femme la plus belle au monde. Mais si vous êtes dans le péché, vous êtes moche. Donc, une femme de Dieu ne doit pas courir après les hommes pour le mariage supplier. Non. Sanctifie-toi, ma soeur. Laisse Dieu envoyer un homme pour toi. Hein? Rebecca n'a pas couru après Isaac. Elle s'occupait de son œuvre. Elle s'occupait de nourrir, hein, de donner de l'eau aux brebis. Et Dieu a envoyé son mari. C'est ça le royaume. Alléluia. Laissez la présence de Dieu. Maquillez-vous de la présence de Dieu. Alléluia. Mon frère, ne cours pas après cette femme-là. Laisse Dieu mettre la paix dans son cœur. Toi, cours après Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être des coureurs de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez Dieu vous recommander. Vous restez devant le trône. Laissez les gens venir vous chercher devant le trône. C'est ça le message. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen. À demain soir.